Donc on va partir avec la campagne de Donc c'est une campagne qui serait facile apparemment. En victoire courte, les objectifs sont les suivants. Donc toujours conserver les fameuses 15 provinces et détruire les factions sur qui sont l'Empire Séleucide, ce qui est logique avec la guerre fratricide entre ces deux royaumes héritiers des Diadoques, hein, on va pas se le cacher, et l'Arménie. Bon, l'Arménie, ça me surprend un peu, mais pourquoi pas. J'espère juste qu'elle va vite être... on va s'occuper vite d'elle, pour ça moi je vais pas aller là-bas. Donc on commence avec pas mal de territoires, donc avec l'Égypte, la Judée, une partie des anciens, comment on va dire ça, bah, de la côte, la Syrie, un truc comme ça on va dire. Et j'ai peut-être une idée d'expansion un peu particulière. Bon, bien sûr, l'objectif principal sera de détruire les Séleucides et l'Arménie, bien sûr, et les 15 provinces. On fera en sorte de bien s'en sortir. Alors, on va lire un petit peu ce qu'on nous dit sur l'Égypte. Après la mort d'Alexandre le Grand, l'empire qu'il avait bâti chancela et sombra dans le chaos, à une vitesse remarquable. Les généraux s'entre-déchirèrent en conséquence pour récupérer une récompense qu'aucun n'était assez fort pour supporter. Les diadoques ou successeurs n'étaient pas assez puissants pour contrôler plus que des personnes de l'empire d'Alexandre. Ok. L'Égypte est maintenant gouvernée par les pharaons grecs, descendants de Ptolémée Ier, l'un des meilleurs généraux d'Alexandre. La dynastie ptolémaïque s'acclimata vite aux us et coutumes égyptiennes et adopta les traditions royales des pharaons, notamment leur statut divin et le mariage de chaque pharaon avec sa sœur. Comme le veut la tradition égyptienne, tous les pharaons de la nation étaient nommés Ptolémée et leur sœur, à quelques exceptions près, Cléopâtre. Sous l'égide des nouveaux pharaons, l'Égypte est une terre prospère ainsi que l'un des centres académiques du monde grec. Les pharaons ptolémaïques doivent être vus comme l'une des grandes puissances de la Méditerranée orientale. Leur potentiel militaire contre les autres États successeurs est également impressionnant. Un pharaon agressif serait sans doute en mesure de repousser les frontières d'Égypte bien au-delà de la vallée du Nil. Salut Momon, comment tu vas? Enfin, il y a un viewer qui me vénère et qui me respecte. Hein. C'est pas comme d'autres. Hein. Enfin bon, on est parti. Donc salut à tous, salut YouTube. Bienvenue sur Total Rome Remaster. Donc j'ai déjà lu l'intro, mais je vous laisserai le début pour ceux que ça intéresse. Salut Thanos, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue pour ce début de campagne. Donc nous partons avec l'Égypte. Par contre, je vais pas mettre tant de batailles limitées, faut pas déconner. On est parti. Donc 15 provinces, tabasser le Séleucide et l'Arménie. Let's go. De Pharaon depuis longtemps, très longtemps. Mon devoir est de consigner toutes les décisions. Mon père le faisait déjà avant moi, et son propre père avant lui. Nous avons vu beaucoup et tout enregistré fidèlement. Pharaon est notre seigneur et maître. Il est l'incarnation d'Horus et deviendra Osiris après sa mort. L'Égypte tout entière vit et meurt au gré de ses désirs divins. C'est là l'ordre naturel des choses. Nous sommes ses enfants et Pharaon nous aime. Nous partirons à la conquête du monde afin que tous puissent connaître sa grande sagesse. Même si Pharaon ne le demandait pas, nous le ferons. Ses ennemis seront abattus. La nuit et les ténèbres s'empareront d'eux. Les sables du désert deviendront rouges de sang. Tout ceci adviendra, car tel est le désir de Pharaon. Ainsi disent les écrits, ainsi en sera-t-il. Ouais, c'est un peu ça aussi le problème, Thanos, mais bon. C'est dommage parce que je pense que le roster pourrait être tellement intéressant. Bon, à part dans Rome 2, c'est vraiment hellénisé pour moi. Mais dans Rome 1, non, c'était pas le cas. Mais c'est quand même cool aussi de voir un autre pan de l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, déjà, on va faire un petit topo du territoire qu'on a au début. Alors, on possède toute l'Égypte, donc Alexandrie, Memphis et Thèbes. Ok. Nous possédons également Jérusalem, Sidon en Phénicie et Chypre. Ce qui fait qu'on contrôle déjà 6 provinces de base, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Je dirais même que l'Égypte est la faction qui a le plus de territoire. Avec le Séleucide, attends, il en aurait combien, admettons? Il a Sardes, 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il en a autant que nous, en fait. Ah, je sais pas, j'ai un doute là, Momon, hein, pour dire que c'est l'Égypte hellénisée. Hein. Par contre, nous foutre des pégus dans l'armée, merci quoi. Alors, nous avons un espion ici qui s'appelle Kou.
On va l'envoyer par là, parce que de toute façon, je pense qu'il va vite falloir entrer en guerre contre les Séleucides. Là, c'était Damas, je suppose. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un Pégu, une milice hoplite et lui. Bon, déjà, les Pégus, là, on va les dégager. Ils servent à rien, ils nous coûtent de la thune en plus. Désolé, mais les Séleucides sont là, donc hellénisés. Après, on peut donner ses arguments, hein. On peut être correct, on peut être sympathique entre vous, les gars. On peut être d'accord et pas être d'accord. Alors, comment on va faire le... Salut le signe, comment tu vas? Alors, cette Égypte, bah, je viens juste de démarrer le signe. Alors, on a déjà un gros territoire de base, ce qui est plutôt agréable. On a une flotte ici. Alors, je vais réfléchir un petit peu à comment développer l'Égypte. Alors, déjà, il va falloir vite s'occuper du Séleucide et de l'Arménie. Bon. En ce temps que l'Arménie se fasse détruire par partout, même le point, je serais très content. Mon but là, ça va être quoi? Je vais essayer de développer l'Égypte pour en faire un centre économique, si vous voyez ce que je veux dire, et un peu militaire. Là, évidemment, on aura de la conquête à faire, donc là, je vais voir comment on va aller chercher ici. On pourrait déjà aller taper le Séleucide et aller chercher Damas. Pourquoi pas aller chercher chez Daniel Monnaie pour cause de connexion pourrie, du coup, ça va bof, évidemment. Ah, c'est gentil, signe, je fais de mon mieux. Alors, bienvenue sur l'Egypte de Pharaon. Ça sera peut-être l'un des nous. Qu'est-ce qu'on a? Des animaux sauvages. Ici, on a un port, là. Alors, là, on va regarder un petit peu. Pff, non, mais les Pégus, quoi. S'il vous plaît, respectez-vous, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec des Pégus dans l'armée? C'est bien, mais... À part le ça, la sape est encore. À Alexandre, on a du peuple, quand même. Alors lui, il a mon diplomate, et je vais le mettre dans mon bateau, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, déjà mon but avec l'Egypte... Ptolémée est bien général Messénien, donc tu peux pas te tromper sur l'époque. Ok. À un moment, il est en forme, hein. faut pas le contrarier. Non, alors, je plaisante. Alors mon but déjà, dans un premier temps, je pense que je vais aller chercher la ville de Siwa, qui est quelque part dans le secteur. Et ensuite monter à Styrène, comme ça j'aurai de la frontière ici à l'Égypte. J'essaierai de faire le plus de tours possible. Pourquoi pas y chercher la Crète. La Crète est toujours une province gratuite, hein, puisqu'elle est rebelle dans l'idée. Si j'ai assez de force, je pourrais aller chercher Halicarnasse, si c'est pas déjà pris avant. Et ensuite aller chercher Sardes, ici, pour avoir deux autres merveilles gratos. Et ensuite Tarsus, et nous avec nos armées là, on va essayer de remonter comme ça. Et j'essaierai aussi également de former un diplomate pour aller négocier une alliance avec le Part pour qu'on puisse taper sur le Part. Sur le Séleucide, encore une fois, c'est dans la théorie. Donc déjà, on va commencer à préparer nos premiers mouvements. Alors, on a différents temples, je suppose. On a l'hôtel d'Isis qui donne de la croissance, l'hôtel d'Osiris qui donne du bonheur, et l'hôtel d'Imhotep qui donne 10% d'ordre public en plus et de la croissance. Est-ce qu'il n'y a pas un autre temple au cas où? Ah, il y a beaucoup de temples en fait quand vous regardez. Alors je vais regarder vite fait. Comme je connais pas tous les temples avec l'Egypte, j'ai joué une ou deux fois mais il y a très longtemps. On disait que c'était l'Egypte antique de par le design des unités. On sait que le jeu est en moins de 270. Alors attendez, j'essaie de voir un peu les bonus à terme. Le temple d'Imhotep donne de l'expérience de ce que je lis. Et des bonus aux revenus commerciaux. Si on fait un temple pour 7, là ce sera un bonus de décroissance et tout. Mais ça donnerait quoi? Ok, donc si on part sur Horus, on gagne des évolutions d'armure à fond. Et là, on a un temple de quoi? On a un temple d'Horus déjà de base à Memphis, donc on va peut-être garder ça, effectivement. Donc, le Pégu, tu vas dégager. Et là, je vais mettre plutôt ce général-là. C'est l'héritier de faction qui va aller attaquer comment ça s'appelle? À Siwa. Je vais essayer de regrouper. Alors, pour commencer, je vais faire quoi? Je pense que faire les mines, ça pourrait nous mettre bien.
quoique ça coûte cher. Non, on va faire des routes déjà dans un premier temps à Memphis. À Memphis, je vais partir sur agriculture communale. Il nous faut qu'on développe l'Égypte de toute manière. Et Alexandrie, c'est quand même commercial. Hein. Et dans l'idée, alors je regardais quelle cité sacrée donne le plus de bonus. Et je vais partir sur un temple d'Imhotep, Alexandrie, juste pour booster les revenus commerciaux. Pour moi, ça me semblerait cohérent. Salamine, je crois que je vais faire pareil. Je vais faire une cité commerciale aussi. Puis c'est une île. Regardez-moi toutes les ressources qu'on a. On a de la teinture. On pourra même faire un négociant, hein, qui sait. Là, je vais pouvoir faire un autre diplomate. Ok, notre espion a réussi son infiltration à Damas. Ce qui est une excellente nouvelle en soi. Et moi ici, je vais faire un javelot. Je vais me mettre en position ici. On va parquer les guerriers bédouins, je pense. Ça fera une unité de plus. Voilà, on se retrouve avec combien d'unités? On se retrouve avec 8 unités, ce qui est plutôt pas mal pour assiéger Damas. On va baisser les taxes au minimum. Par contre, là, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas beaucoup de cavalerie. J'aurai peut-être la cavalerie libyenne au prochain tour, mais c'est tout, quoi. Là, je vais laisser mes unités ici. Par contre, là, on a une belle armée, hein. C'est con qu'on peut pas l'exploiter, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je vais faire, j'essaie de faire une fusion des forces une fois qu'on arrivera à Sibou. On aura une armée assez conséquente. Il me reste un peu d'argent, mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, on va essayer de faire pour augmenter un peu les taxes en Égypte aussi. C'est de facto, je pense qu'il peut devenir très riche, hein, économiquement parlant. Donc là, on est déjà 4000 bientôt. Là, je suis obligé de baisser pour éviter une révolte. Ici, ça donne quoi? Ici, c'est limite, c'est très limite. Salamine, on peut monter, je pense. Parfait. Déjà, on est plutôt pas mal. Que propose le Céleste? Ah, l'armée Séleucide sort. Il y a un coup à jouer, j'ai envie de vous dire. Alors, un bon mari, 3 en commandement, 1 en gestion. Où a-t-il atterri? Dis-moi qu'il a atterri. Il a atterri là où je voulais. Pas mal du tout. Donc derrière, on a une unité là en réserve. Alors ils sortent. Il a pas fait d'unité là. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être une opportunité. Est-ce que j'embarque ce mercenaire ou pas? Non. On va essayer de développer un peu nos cités quand même. Hein. Des routes. Des murs surtout. Il va falloir que je fasse des murs à Salamine. Je me méfierais d'un assaut éventuel des Séleucides. Ils sont capables, hein, s'ils ont une flotte. On l'a vu dans les précédentes missions. Je t'avoue que Thanos, c'est très tentant de quoi tu parles. Hein. Et franchement, s'il y en a un, moi c'est oui. Hein, c'est un grand oui direct. Je vais faire quelques fondeurs en prime. Je vais faire des mines ici. Et mon diplomate va aller jusque là-bas. Il va mettre du temps, mais si j'arrive à nouer rapidement une alliance avec les Parthes, je pourrais me mettre bien, quoi. Et vous savez quoi? On va déclarer la guerre aux Séleucides. C'est parti. On a une opportunité de le taper. Bon, on va le faire. Hein. Et là, eux, ils vont nous servir les guerriers bédouins contre le général adverse. Alors, je vois, c'est quoi sa garde du corps, lui? C'est des charges sur Sars, c'est ça? Ils sont pas mauvais, hein, en mêlée, hein, c'est ceux-là. Bon, ils ont une défense pourrie, mais...
on a l'avantage, hein. On est bien d'accord. Première bataille contre l'ennemi héréditaire de l'Égypte. Nombreux sont les braves soldats qui ont vu le jour se lever. Combien d'entre eux verront le soleil se coucher? Combien de nos ennemis demandent déjà à leur Dieu de faire venir la nuit? Allez, bon. On va regarder un petit peu nos unités, hein, quand même. On est là pour ça, messieurs, dames. Enfin, plutôt messieurs, je sais pas s'il y a des dames parmi vous, mais quand même, on sait jamais, messieurs, dames. Piquier nubien. Piquier. Bon, le petit piquier nubien, c'est le piquier basique. Hein. Ils ont des têtes de vainqueurs, ceux-là. Trois unités, là, on a nos archers de base, je suppose. Ah, nos guerriers bédouins. Eux, ils vont être utiles contre le général adverse lorsqu'il viendra. Nos chars, bon, ils ont quoi? Ils ont des faux quand même. Donc, contre les tireurs adverses, ça peut avoir son utilité, effectivement. L'ennemi a fait venir des renforts. Envoyez-les à Patresse. Je vois pas où leur général, tiens. On va se mettre en mouvement. Je pense qu'il va venir de derrière leur général. Moi, c'est comme ça que je le vois. Les Nubiens se mettent en route. Bon, on va pas gâcher nos munitions sur leurs archers, hein, ça serait grotesque. Par contre, ça m'inquiète, je ne vois pas où est le général Démétrius, qu'on avait croisé dans, dans notre campagne pontique, pour ceux qui se rappelleraient. En tout cas, les seuls qui pourraient faire la différence contre leur général de base, c'est... Oh! On pourrait peut-être aller tenter de le choper. Bon, on a fait quelques kills déjà, c'est un départ. On va retirer la phalange. Pourvu qu'il chope pas mon général. Comme ça, on va les isoler du reste de l'armée. Oh, ils vont nous charger, c'est ça? Bon, je sais que mon général va être chargé de flanc, mais là, il va prendre cher. Si on abat juste Démétrius, là, c'est gagné. Hein. On va se reculer juste vite fait. Abattez-le, abattez-le. Faut pas qu'il se reforme. Ah non, tu vas pas survivre, toi, hein. Ah si, oh là, je crie au scandale, cette survie là. L'ennemi s'enfuit.
Poussez-le hors du champ de bataille, ne lui laissez aucun... Non, Thomas Jordan n'a pas eu ses morts. Voilà. Victoire est pour vous, et l'ennemi n'a plus qu'une... Bon, je suis un peu dégoûté, parce que, bon... il en restait qu'un. C'est un peu moche. Mais on a un petit espoir, on a un espion dont je rappelle à, qu'on a placé à Damas. Alors, bon, les pays, un général. Laisse-moi deviner, les portes sont ouvertes. Merci, coup. C'est un sacré espion. Hein. Il me rappelle un peu Momon dans, quand il m'espionne pour des succès. Non, je déconne. Mais bon, là, il sera tout seul, donc on a nos chances, les gars. Donc, déjà, on a placé le siège ici. Là, on est en route avec nos deux armées par là. Je vais quand même continuer de renforcer mes défenses. Hein. Pas de prise de risque. Allez, let's go. On va faire tomber notre première cité. Et envoyer un petit message clair aux Séleucides et à nos ennemis. Oui, je sais, c'est pas très tactique, hein, on va me dire, mais en vrai, j'aurais aimé qu'il s'en passe sur mes piquines, bien, ça aurait été rigolo, Démétrius, mais bon. On va pas tout exiger non plus, hein. La victoire est proche. Si chacun fait son devoir, nous serons récompensés. En tout cas, les chameliers, c'est très fort, hein. Dans Medieval 2, par contre, quand je jouais les morts, je me souviens pas que les chameliers étaient aussi puissants. Bon, déjà. Je préfère envoyer les Nubiens en première ligne parce que c'est de la chair à canon. Attends, les armées locales vont arriver. Bah, sauf si je m'en occupe avant, Momon. On a eu le dans Démétrius. Allez, massacrons tous ces pégus. La victoire est pour vous et l'ennemi n'a plus qu'une chose à faire. C'était rapide ce siège, hein, rondement mené. Ils sont combien? Ils sont pas nombreux, tu me diras. Je vais asservir, allez, je suis sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'hôtel des Phaistos. Oh! Ça me plaît ce que j'ai, l'hôtel des Phaistos de base. Par contre, mon espion, t'as bien travaillé, je suis fier de toi. Tu vas aller m'informer de ce qu'il joue. Oh, une autre armée là, attention. Combien ils sont? Ah, ils ont beaucoup de milices montées, milices de tireurs et tout. Hein. On a une grosse armée sur place dans l'idée. Ah, ils doivent pas être bien Antioche. Hein. Donc là, pour le moment, notre première ville vient de tomber. Donc c'est la 7e qu'on contrôle, déjà. Ça va vite, hein. Bon, je joue l'Égypte, vous me direz. Donc alors, normalement, c'est le site, si je compte bien les villes qui lui restent. Il a Sardes. Tarsus, Antioche, il a la ville de Hatra ici, si je dis pas de conneries, ou qui est en Assyrie, un truc comme ça. Et il a encore Séleucie. Mon diplomate, il est en route ou pas? Ouais, il est en route, ok. Donc là, on va essayer de négocier une alliance avec le Séleucide. Le Parthe, pardon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Puissions-nous parler? Tu veux un cessez-le-feu, mais tu peux. Mais va t'asseoir. Hein. Nous voilà pas loin de Siwa. Ok. Alors,
Amos est majeur, ok. Oui, seigneur. Pour le moment, on va laisser. Là, on va avoir une belle armée là, conséquente pour aller attaquer Sibou. On va se mettre bien. On rembarquera ensuite cette armée-là pour aller attaquer Sirène qui est rebelle encore. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Ah ouais, je vais détruire le temple déjà. Et justement, on a un temple qu'on va faire, c'est le temple de Horus, si je dis pas de bêtises. Je revérifie, hein, je connais pas bien les temples égyptiens. Alors ne me demande pas le signe, j'étais pas vraiment inspiré. Hein. C'est le temple de Horus, c'est ça? Ouais, on va faire un temple d'Horus ici. Ok, on va faire quoi à Jérusalem aussi. Ah oui, il y a une abbatée ici à aller chercher. Je vais y aller après aussi. Hein. Mais je pense qu'on va combiner juste les deux armées pour être sûr. On a des troupes ici qui serviront pas. On va les remonter à Memphis. Je pourrais envoyer ce général faire ses preuves, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'on a une caserne ici? On va faire une caserne à Alexandrie. Une petite route à Chypre. Ou des mines, allez. On va partir sur les mines, on a quoi? De l'or, du cuivre. C'est une région minière. Le dos droit. Ouais. Oh. Ah, ça fait mal. Bon. Santé, toujours avec modération. Tu sais quoi? On va partir pour Antioche. Ah, j'ai pas peur des rebelles. Justement, le signe, mon diplomate, j'attends le bon moment pour le débarquer, je vais t'expliquer. En fait, une fois qu'il repartira, une fois que j'aurai débarqué mon armée à Sirène, bon, je vais diviser ma flotte en deux, et je vais essayer d'aller négocier une alliance avec les Scipi. Du commerce et tout ça, parce que si je m'entends bien avec Rome, donc du coup lui il va pouvoir naviguer le bateau et tout ça, il faudra que je fasse gaffe aux rebelles, vous me direz, mais pour négocier avec les différentes factions romaines, et moi je pourrais me mettre bien avec pognon et tout ça. Donc j'attends juste le bon moment en fait, et dès que je peux je renforce ma flotte aussi. Je crois que je vais recruter aussi, dès que possible, un autre tireur, là. Ok, on est pas mal. J'ai déjà commencé à me mettre en route avec mon host. En vrai, là, sur le Séleucide, le seul avantage qu'on a, c'est avec notre tireur. Hein. Si vous voyez ce que je veux faire. Alors. Toi, tu viens. Donc là, j'ai un javelinier, j'en prends un deuxième. Alors, ils ont 2 milices au plit, ouais. Que je peux reprendre d'autres Mercus ou pas? Non, j'en ai pas d'autres. Donc là, on est tranquille pour l'instant. En vrai, je fais tomber là Antioche. Bon, ça va être chaud de faire tomber Antioche, mais si on le fait,
on se met bien, quoi. Non seulement là, on leur prive de leur capitale, leur port principal. Les deux seuls ports qui leur resteraient à l'heure actuelle, ce serait Tarsus et Sardes, et là, on les met mal. Oh, des rebelles. Voyez-vous ça? On va juste attendre un peu les renforts. Bon, en attendant, on va tenter l'assaut avec ce qu'on a là. On va attaquer 6 bois tout de suite. Bien, on a deux archers sur char égyptiens qui peuvent faire peur aussi à l'infanterie. Donc on a vu ce que ça a donné avec les charcides, pour ceux qui se rappellent. On a des tireurs, on va essayer de jouer là-dessus. Il y a un gouverneur là-dedans. En vrai, s'ils se rapprochent de trop, là, les javelins inhumides, là, ils se mettent mal. Hein. Je vais éviter d'approcher mes piquets pour le moment. Allez, hop, on recule. Attention. On les a provoqués, ils ont pas aimé. Hein. Ouh, ils aiment pas ça du tout. Hein. Bon, d'un autre côté, là, ce sont que mes généraux qui se prennent le gros des tirs dans l'idée. Allez, contre-charge ici. C'est bien, on les met en déroute là pour le moment. On va s'attaquer à cette unité là avec nos deux généraux. Logiquement, on va s'en sortir. Alors, s'ils tentent un mouvement ici. Eh, c'est pas des petits chars qu'on a. Bon, on perd un. Rien que ça, on a anéanti quasiment les deux tiers de leur armée. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait le général adverse? Bon, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal, le siège. Hein. Ah, si on peut est-ce qu'on peut parler de siège? Ça, c'est un autre débat. Regardez-moi ce qu'on le nombre de projectiles qui a esquivé ce cavalier, c'est un truc de malade. Ça va être du tir croisé, ça va faire très mal au niveau du dégât et du moral. Ça tombe vite, hein. On va commencer à avancer avec nos piquets là.
logiquement, si on veut passer, on va avoir passé par ici, c'est ça? Ah ouais, les Nubides, ça fait pas du bien. Par contre, mes chars ici ne serviront à rien. Par contre, mes tirailleurs contre la cavalerie de général, ça peut commencer à taper un peu, quoi. On va faire un front large. Et on va essayer de faire de la masse d'entité, si vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent pas avancer, c'est ça? Bah tu sais quoi? On va les forcer à bouger. Bon, on a encore 40 minutes, ça va. Et moi, j'ai tenté de bousculer un petit peu leur général en tapant avec mes archers à l'enflammé sur son unité. On rappelle que les flèches enflammées sont efficaces contre eux. Allez, 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 venez, venez. Oh. Oh, la masse d'entités, ils aiment pas. Hein. Bon, on a perdu un piqué suite au TK, enfin quelques piqués. Oups. Bon. C'est 60. J'ai pas mis de temps libre. Je crois pas que c'est que 40 minutes, il me semble, pour eux. Bon, par contre, on va arrêter de dire le feu. Les deux unités, ils les passent pas, hein, regardez. Oh la vache! Oh la vache, là, l'unité se fait... Bon, on a pris cher sur un de nos régiments, mais eux c'est pas mieux, hein. Il est où leur général? Et il a regardé. Hop. Bon, là, les quelques-uns au début, ouais, le signe, mais après, le reste, non, quand tu regardes. Rien de personnel. Former un piqué en plus ici. Je vais attendre un tour et après on va repartir avec mon armée là-bas et on va aller chercher Sirène, puis ensuite on se dispersera en espérant que les rebelles soient pas trop chiants. Alors on a un temple de balles, tu vas me dire. Je vais faire un hôtel ici, je vais faire des murs, des routes et un petit port en plus. On me dit de tirer, je tire. Bravo, c'est propre, monsieur. Bon, on est déjà à 8 territoires, hein, ce qui pute. On est déjà à la moitié de notre objectif. Bon, on va faire cette troisième bataille ici, hein. On va essayer de les anéantir. Il va falloir tenter de détruire cette petite force. Et là, on s'y ramène avec quelques renforts. On peut faire tomber Antioche. Le port Signe Noir, il sera sur la côte. La victoire est proche. Si chacun fait son devoir, attendez. Ouais, c'est ça, Mythe. Hein. Ah, ils veulent se jeter sur moi. C'est bien qu'ils viennent. Je vais viser à l'enflammer, on sait jamais. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous bougez ou pas? Piquier.
Tout à fait, signe, c'est ça. La Cyrénaïque, c'est beau. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup de désert dans l'idée. Ah oui, il se replie. Oh les lâches. C'est une honte. Ils se sont complètement retirés. Quelle honte. Ils savent, ils font pas le poids, ils se barrent. Quelle lâcheté. C'est la première fois que je gagne une victoire sans faire de dégâts. À la fatigue, Momon, là, je sais pas où elle va. Hein. Il s'est replié où? Bon, par contre, là, on va faire attention. Hein. On va recruter des nouvelles forces à Damas. Et je vais faire un navire ici. Je vais utiliser mon négociant pour aller sur cette île. On va essayer de faire de la teinture ici. Je vois qu'on là on a deux rebelles. Vas-y, je vais la tenter. En espérant que je perde pas mon général comme un couillon. Faut éviter d'avoir trop de rebelles en Égypte. Ça serait dommage. C'est notre terre commerciale qui peut nous faire vite gagner de l'argent. Bon, on a déjà pris une ville aux Nubides. On a déjà pris une ville aux Séleucides. C'est plutôt un bon début de campagne. Hein. Ah putain, il y a un pont, je hais les ponts. Oh attends, non, laisse-les traverser. Justement, on est des archers sur char, on va jouer sur ça. On va tenter des amoucher au maximum, bien sûr. On a beaucoup de munitions avec ces chars égyptiens, ça c'est plutôt cool. T'as déjà la moitié du régiment qui vient de périr sur les tirs. Par contre, ils auraient été vraiment broken si ils avaient eu les flèches enflammées. Où est Pharaon? Ah, il est là, regardez. Ça aurait été rigolo que Pharaon puisse tirer à l'arc. Ah, regardez, il commence à être de moins en moins nombreux. C'est sûr, tu peux porter quelques cartes supplémentaires pour un char. Ouais, tout à fait. Hein. Regardez-moi ce touriste-là. Ekemout. Parfait. Bah maintenant, je pense qu'il est temps de charger. Mip, 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 mip. Bon, par contre, là, faudrait peut-être pas déconner. Hein. Oh, la honte. C'est une honte. Le général, tu es honteux. Honte sur ta dynastie. Je vais reprendre une célèbre citation de la série Rome. Shame the House of Ptolemy. Quelle honte. Pas grave. On va repartir. Bon, le chef, lui, va falloir qu'il fasse attention. Bon, déjà, on va faire ça, puis ça. On va faire comme ça. Ouais, c'était une belle baffe, là, j'avoue. Signe. Alors, attends. C'est toujours rebelle, ça, ou pas? Évolution d'un bourg, Salamine. Magnifique.
On va tout de suite agrandir la ville. Alors à Sidon, je vais faire du quoi? Je vais faire un hôtel d'Isis, tiens. Ah putain, ça c'est un misclick. J'ai dit de, je lui dis, je voulais attaquer le truc, il m'a, je sais pas pourquoi il m'a mis par là. Ça c'est dégueulasse, c'est chiant. Donc toi tu vas rentrer, espèce de raté. En vrai je pourrais redire de faire ça. Hein. Hop. Voilà, revanche, ça c'est fait. Maintenant, mon espion, tu vas espionner Antioche. Bon, cette fois, malheureusement, on n'aura pas réussi à ouvrir les portes. Là, notre négociant, on va le préparer. On peut tout de suite améliorer. Sidon, Salamine au niveau supérieur. Sidon, on va faire quoi? J'avais dit un temple d'Osiris, et ben on va le faire tout de suite. Jérusalem. Préparons de la cavalerie du désert, ça peut avoir son utilité. Un marchand à Damas aura aussi son utilité. Je vais rajouter un autre piquet là. Là, je pourrais former une nouvelle armée, vous me direz. Très bien. Alors, j'ai embarqué tout ça sauf lui. Je vais prendre la cavalerie numide, ça aura, on aura son importance. Comme ça, là, on se met là, on se met bien. Recruter un Libyen en plus, tu me diras. Et là, on va se mettre en route du côté de en route vers Nabatée avec cette armée. Là, je vais rajouter un autre frondeur. Je pense que je vais rajouter un quatrième. Ah, je peux pas. Il y a cette armée qui me bloque. Ok. Un troisième piqué à Salamine ne sera pas de tour pour refus. Ah, l'armée était planquée, je l'avais pas vue. Bien joué, non, bien joué, je l'avais pas vue celle-là. Et je peux pas reculer parce que... Alors, ah ouais, ok, si je perds, je perds toute mon armée avec, c'est ça? Ok. On me met au pied du mur, j'aime ça. Il va falloir être vainqueur, quoi. Nombreux sont les routes. À mon commandement, général. Des renforts ennemis prennent part au combat. Unité, tirailleur. Unité, au combat. Tireur à l'attaque. Vite, courez. Ah, génial. Le chef de faction est derrière nous. Ma ligne d'infanterie va essayer de les dissuader un peu. Je suis même prêt à sacrifier mon unité de mercenaires. Mais en vrai, avec mon général plus les bédouins, je pense qu'on peut le faire tomber rapidement. N'oublie pas les tours. Ouais, c'est plus simple, moi, je suis d'accord. Ils vont charger mes javelins, mais je m'en fous, c'est que des javelins, je les reforme rapidement.
Par contre, les bédouins qui se barrent, c'est un peu des... Ouais, bon, ok. Il a chassé tous mes bédouins jusqu'au bout, c'est ça le plan. Oh, ça se passe mal, hein. Ouh. Ouh, son général, il a pas aimé en tout cas. Ça fait plaisir. Et nos petits ennemis, ils se sont dérouillés. Yes. Ah, il va charger mes archers, saligo. Oh, oh, je me suis fait dérouiller. Je l'ai pas vu venir celle-là. Il y a mon général qui est en train d'essayer de sauver la game, mais bon, ça va être chaud. L'ennemi s'enfuit. Poussez-le hors du champ de bataille, ne lui laissez aucun répit. Ouais, le chef de faction, il était bien vénère, j'avoue. Chargement là-dedans, toi. Ils aiment pas les chars, l'infanterie, logiquement. Voilà. Allez. Le général ennemi fuit comme une poule mouillée. Attaquez. Brisez la volonté de ses troupes. On va tenter de gagner comme ça, mais bon. Mais putain, j'ai perdu deux chars alors que ça cliquait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, cette unité-là, elle est en train de craquer. Allons chercher cela. Ok. Poussez-le hors du champ de bataille, ne lui laissez aucun répit. Ouais, ouais, j'ai perdu quatre chars, en fait. Ouais, des... Enfin... Je sais plus comment ils comptent ces trucs-là. Non, arrêtez de tirer, tout corps à corps, allez. Voilà. Ils ont perdu 23 hommes, punaise. Il leur reste 23 hommes, je pense qu'on peut faire tomber la cité. Hein. Et là, c'est sûr, derrière, ils vont nous contre-attaquer. Hein. Ouais, c'est drôle. Ouf. Votre Altesse. Je suis à vos ordres. Tout de suite. On n'est pas loin des territoires des Parthes. On a eu chaud à nos fesses, hein, on va pas se le cacher. Bon là je vous fais pas la bataille pour ça. Hein. Je sauvegarde quand même, mais juste pour le principe. Et là, désolé Antioche. Voilà. On va vite dégager tous nos mercos. Tout refaire ou pas? Non. Par contre, je vais refaire un piqué supplémentaire. On peut pas faire de tireur ici, malheureusement. On a quelques bâtiments utiles déjà pour démarrer, c'est cool. Je vais faire un hôtel de Russie ici, on sait jamais. Et bien, déjà économiquement parlant, le Séleucide peut commencer à s'inquiéter un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, là, je vais me mettre en route ici. Là, on va avoir des bâtiments. À Alexandrie, on va passer à... Là, on a déjà ça. On va faire des murs, quand même. Améliorer. À Memphis. Je vais partir sur...
un port, ça fera de l'argent. Je vais faire pareil, un port à Thèbes, des murs derrière. Et on va commencer à faire ça. Construisez une tour. Droit devant. Donc logiquement, au prochain tour, on découvre les Parthes, logiquement. On peut faire des trirèmes déjà, sérieusement. Allez, let's go, hein. On va en préparer une petite flotte de trirèmes pour commencer à prendre le contrôle du coin. Donc là, maintenant, on a deux possibilités d'expansion depuis Antioche. Soit Tarsus, soit la Syrie, tout ça. Donc là, je vais faire quoi? Des murs aussi. Là, j'ai pas de général dans le secteur, c'est ça qui m'embête un peu. Je vais faire une route ici dans le doute. Enfin, pardon, une tour. Voilà. Une autre tour ici sera pas de refus. Et quelques piquets en garnison. Ah si, ouais, tout est en train de se faire petit à petit, c'est bien. Et au prochain tour, on débarque ici. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de la stratégie de campagne pour l'instant? Bon, on a eu quelques petites mauvaises surprises, mais bon, je pense que là, ça va commencer à revenir tranquillement. Oh, celui-ci est en train de masser de ses armées. Attention. Tout de suite améliorer ça. Ah, sinon, on peut faire quoi? Pas grand chose. Un dernier piqué sera pas de replus. Pourtant, ça se passe bien, c'est propre. Ouais, pour le moment, ça se passe bien, c'est vrai. Mais bon, on va pas trop non plus. On va pas trop non plus vendre la peau de l'ours à l'avoir tué, si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, des Mercos, là je les embarque, soit ils me plaisent. Jérusalem doit être ici, je pense. J'ai un négociant. Hop. Je débarque. Puis-je vous être utile? Vas-y, on va se faire un peu d'argent là avec lui. Monsieur. Oui, seigneur. Par contre, toi, tu vas vite rentrer dans le port parce que tu vas te faire attaquer, tu vas rien comprendre. Merci, signe noir. À bientôt. Merci d'être passé. Et bonne soirée à toi. Voilà, ça c'est bien. On aura 4 unités de piquets qui défendront Damas. Je pense que je vais quand même ramener des tireurs en renfort. Hein. Parce que j'ai peur, je pense que le Séleucide est capable de prendre tout de suite Palmyre. Et ensuite de venir quoi. Partenaire commercial avec l'Arménie. Et c'est curieux ça dans le jeu. Et le tour je propose des droits de commerce. Équilibré, généreux. Je te demande de la thune, admettons. 2000. Malheureusement, nous devons refuser. Ouais, je te demande à les 500, plus sympa. Une proposition des plus généreuses. Alors, le parti possède quoi? Il n'a pas encore pris l'Arabie, Babylonie toujours en main du Séleucide. Ok. Très bien, on va se mettre en route vers l'Arménie, on va voir ce qui nous attend pour plus tard. Ouais, c'est ça que je cherche, merci Momon Petra. Elle doit être ici, je pense. Donc Petra, c'est aussi la région de Nabaté, c'est pour ça que je disais ça. Bon, très bien.
on fait nos derniers mouvements. Hop. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie de campagne sur Total War Remaster avec l'Egypte. C'était plutôt propre, on a eu chaud à une ou deux occasions, mais globalement on a réussi à s'en tirer. Là, notre but, ça va être de refaire nos forces petit à petit, et ensuite on ira chercher nos adversaires hein, progressivement. Et je pense que ça devrait le faire. Alors par contre, les archers, il va nous en falloir, ça c'est obligatoire. Comment j'obtiens des archers, moi? Alors, j'ai revérifié. Ah oui, on peut voir la communauté, c'est vrai. Je l'avais pas fait encore, je crois. Bah, vous savez quoi? On va aller voir Memphis par curiosité. Pour clôturer sur cet épisode. On va faire un petit tour à Memphis rapidement. C'est... Oh! Le palais du gouverneur avec ses gardes. Ça m'avait manqué sur depuis le temps sur les Total War. Qui se rappelle des visions, quoi? Le palais du gouverneur, ça déconne zéro, hein. Alors, quel autre bâtiment avons-nous? L'hôtel de Russe, là, qui est en cours. Petit hôtel, certes, mais qui, avec le temps, va devenir très grand. Et de toute façon, à terme, je ne sais plus si c'est Alexandrie la capitale dans notre campagne. Mais si, à terme, je pense que je déplacerai la capitale Alexandrie. On a notre marchand qui est là. Au passage, je n'ai pas remercié GSX Chou qui m'a suivi il y a quelques heures. Merci à lui et bienvenue sur la chaîne. Si jamais tu repasses un jour, t'es le bienvenu, n'hésite pas à manifester. Oh ouais! Ça vous fait pas kiffer ça? Imaginez qu'on aurait eu ça sur le dernier Total War. Vous revoir les cités. Bon, même si on est limité maintenant avec le nombre de bâtiments qu'on peut faire, mais dans l'idée. Regardez-moi le champ de tir. Je comprends pas qu'il l'ait abandonné avec cette mécanique. Enfin, cette possibilité, je veux dire. C'est pas une mécanique en soi, elle n'influe pas sur le jeu non plus. Déplace-la plutôt à Babylone sur Alexandre. Ouais, ça sur Alexandre, je pense que ça serait pertinent puisque c'était le but d'Alexandre. Mais là, je te parle, Momon, Égypte Ptolémaïque. Pour moi, la capitale officielle, c'est pas Memphis, c'est Alexandrie. Alors, je revérifie sur le jeu. Hein. Ah, mais... Ok, c'est Alexandre, donc pas besoin de la bouger, c'est notre capitale. Alors, attends. Bon, on va s'arrêter là pour cette VOD YouTube, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao ciao.